Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être venue nous voir chez AK Digital Solutions. Merci de m'avoir invité. Ça c'est normal, ça fait un petit moment qu'on avait hâte de te voir et tu as rencontré des membres de notre équipe la semaine dernière lors d'un événement à Paris. Oui, depuis, on vous avait annoncé qu'on aurait une championne olympique avec nous. Elle est là. Et Sarah, on va te laisser en fait te présenter pour que tout le monde sache qui tu es. Alors, je m'appelle Sarah Danhinte. Je ne suis pas championne olympique comme on l'écrit souvent sur les blogs, mais en fait, je suis médaillée de bronze olympique. Bon, ça n'a peut-être pas une grande importance, mais en fait, ça en a une. Hein. Quand on est sur la piste, on le ressent bien. Donc voilà, je suis escrimeuse. En parallèle, je suis aussi salariée d'un lab, le lab de Pôle emploi, donc, dont le but est vraiment de changer le recrutement en France, en mettant justement l'humain un peu plus au centre du recrutement et non juste ce qui se fait encore actuellement, déposer une offre et répondre à une offre, quelque chose assez bateau. Donc voilà, je suis très proche du digital et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été à la Madi Keynote et que j'ai rencontré donc, l'équipe de AK Digital. Alors j'apporte quand même juste une précision dans ton palmarès. T'es aussi double championne du monde. Enfin, entre autres, oui. Sacré palmarès quand même. Alors, nous, effectivement, ce qui nous intéressait chez Sarah, c'était cette appétence là, au digital, en plus du domaine sportif dans lequel, on va y revenir, elle utilise toutes ces briques et ces niches du digital. On parlera aussi ensuite de cette autre activité maintenant que tu es en train de démarrer. Ouais. On voulait commencer un petit peu à parler avec toi d'un sujet qui est extrêmement intéressant, qui est vraiment l'utilisation de la data et plus globalement des objets connectés, qui sont, on le rappelle, récolteurs de data et émetteurs de data intelligentes. Et on voulait savoir un petit peu, toi, dans ton domaine et dans l'escrime plus globalement, où est-ce qu'on en est en fait de cette utilisation de la data et des objets connectés, du moins de ce que tu vis toi de tous les jours de ce digital. Il est vrai que pour moi ça a été facile justement de me diriger vers le digital parce que bon, enfin pour mon sport en tout cas, parce que c'est vrai que j'aime ça et que je suis très connectée, je regarde et je lis quand même pas mal d'articles, etc. Mais et que donc pour d'autres sportifs ça a été peut-être un peu plus compliqué, mais du coup il est vrai que mon téléphone, mon smartphone, maintenant, il fait vraiment partie intégrante de ma préparation quotidienne. C'est vraiment un outil de travail, je le considère comme tel. J'utilise des applications qui me permettent d'enregistrer mes mouvements lors d'entraînement et de compétition et qui me permettent donc vraiment de séquence par séquence, donc milliseconde par milliseconde, enfin on peut doser ou même seconde, hein, enfin peu importe, on peut voir l'évolution du mouvement un peu à la Robocop et puis calculer l'angle, voir ce qui a été, ce qui ne convenait pas, etc. On peut faire aussi la même chose chez l'adversaire et donc s'amuser à voir quel est le mouvement déclencheur d'une attaque ou d'une défense. En parallèle, moi j'utilise aussi des objets connectés comme tout ce qui est. J'ai une montre, j'ai aussi des t-shirts, etc. Parce que c'est important aussi bien pour le rythme cardiaque. Voilà, ouais, un peu de tout. Voilà. Ouais. On calcule vraiment, on regarde, on n'a pas besoin d'être. En même temps, je ne fais pas un sport professionnel avec, comme au rugby ou au foot, où ils ont des équipes, des data scientists, etc. Moi j'utilise des choses que je comprends, que je peux utiliser justement. Et pour le coup, donc voilà, je regarde mes données par rapport à mes données de séance précédente. Je regarde aussi par rapport aux adversaires ce qu'elles publient ou pas. Parce qu'on est dans une période olympique, on ne publie pas toujours tout. Donc voilà. Et donc oui, je me sers un peu de tout, aussi bien des applis, des objets connectés. Ça fait de toute façon partie pour. Le sportif n'est plus le sportif lambda où on prenait son jogging, on mettait ses chaussures, on allait courir. Bah non, aujourd'hui on prend son jogging, on prend son téléphone, on regarde sa montre, on tape, hop, on regarde. Quand on arrête de courir, pareil, on rentre pas, on regarde les données. C'est tout con, mais c'est vrai, juste ça. Le sportif n'est plus le même, quoi. Je dis pas que c'est le sportif du futur. C'est valable dans tous les domaines de sport. Est-ce que tu estimes, alors c'est pas une question piège, mais est-ce que tu estimes aujourd'hui être une sportive connectée ou une sportive augmentée? Je dirais à un moment peut-être connectée, là maintenant je pense qu'on passe à l'augmenter. D'accord. Ouais, donc tu es d'accord pour dire qu'on en est arrivé à un point tel qu'aujourd'hui les sportifs sont augmentés et n'ont plus le même rendement de par l'apport de cette technologie? Totalement. C'est quelque chose sur lequel tu es en phase. Ouais. En tout cas dans ton domaine.
Une petite question un peu, enfin, c'est pas forcément technique, mais tu dis que tu utilises un mobile pour, oui, mon smartphone, pour, capter, ouais. Pour faire de la captation des mouvements. Ça suffit un mobile, tu vois, avec un mobile aujourd'hui on arrive à avoir cette granularité séquentielle comme ça des mouvements qui permet à un moment donné de l'analyser et de traiter. Pour le minimum, enfin le minimum, ouais, c'est au moins le smartphone, aussi bien pour filmer et avec les applis qui sont pour la plupart quand même payantes, mais on arrive quand même à faire pas mal de petites choses. Après quand on a de bons contacts, et moi j'ai eu la chance d'en avoir justement de par mon boulot, j'en ai rencontré, j'ai eu la possibilité de rencontrer une start-up qui travaille dans la réalité virtuelle et dans... le mot ne me vient pas. Enfin bon, du coup, j'ai eu la possibilité d'être filmée pendant des entraînements et de voir... vous savez, c'est quand on a un fond vert et puis on... Et vous avez pu faire de la réalité augmentée. Voilà, merci. Ouais, totalement. Okay. Et du coup, le positionnement, voir le positionnement, la poussée du gros orteil quand on fait une action. Enfin, d'accord. Vraiment, c'était au millimètre. Ah, donc oui, c'était ouais, sans être pro pour autant. Donc, Et ça, pour toi aujourd'hui, donc clairement, c'est pas du gadget. C'est quelque chose qui véritablement t'amène à un niveau au-dessus. Aujourd'hui, on est à un tournant. Vraiment, on peut plus être médaillé olympique sans minimum d'analyse de data. D'accord. Sans un minimum, on a besoin de tout ça. C'est pas juste. Après, si vous voulez juste champion régional, pourquoi pas. Je sais pas. Mais même au niveau régional, je vois les petits jeunes, ils se filment, ils regardent D'accord. ce qu'ils font. Enfin, ils regardent ce que font les autres. Parce qu'en plus, nous à Levallois, on est un club quand même assez ouvert où les médaillés olympiques, mondiaux, s'entraînent avec les plus jeunes, échangent avec eux, vraiment dans un esprit d'accompagnement et voilà, mais on peut plus juste être sportif sans avoir ce traitement digital. En tout cas, avec un objectif de médaille, c'est impossible maintenant. Tu parlais tout à l'heure de la data que vous pouvez éventuellement fournir, alors ce qu'on appelle dans ce cas-là de l'open data, puisqu'elle est ouverte totalement, à l'utilisation des autres parties. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en arrivez jusqu'à aller acheter des bases de données, vraiment payer pour avoir accès à des datas complémentaires ou vous n'en êtes parce que dans certains sports, ils en sont là. Ouais, je sais que dans certains donc sports, là, ça non, se fait. Mais nous, on n'en est pas à ce stade. On est quand même un petit sport. En tout cas, en France, on est un sport qui n'est pas encore professionnel. Et non, on n'en est pas là. Ouais. D'accord, ok. Alors, tu disais pas professionnel, ce qui explique aussi tes autres activités à côté. Alors, avant d'y revenir, j'avais juste moi une dernière question que je voulais te poser parce que... j'ai découvert dernièrement qu'il y avait carrément des personnes qui avaient été nommées par le gouvernement pour aller un petit peu étudier ce que l'on appelle aujourd'hui le e-sport. Ouais. Et je voulais connaître ta position par rapport à ce e-sport. C'est-à-dire que moi, quand je lis ce que je lis actuellement, j'ai le sentiment qu'il se pourrait que dans 20 ans, on ait les premiers Jeux Olympiques e-sport qui passent à la télé. Moi, je sens le truc un peu qui arrive. Toi, t'en penses quoi aujourd'hui? Alors, je suis pas une grande fan d'e-sport, donc ça, pour autant, je suis quand même assez objective sur le sujet. Justement, l'e-sport, on est dans un monde où justement le numérique est présent, il est partout. Un monde où assez souvent les gens ont envie de réussite et envie de assez rapidement sans. On est moins dans l'esprit de comment dire. L'esprit de travail, plus dans l'esprit de voilà, je veux réussir tout de suite. En plus, voilà, les jeux vidéo aussi prennent une part de plus en plus importante dans la vie, dans le quotidien même de chacun, aussi bien adulte que plus jeune. Hein, c'est pas une question de. C'est plus une question d'ailleurs d'âge. Et oui, effectivement, l'e-sport, je pense que oui, d'ici quelques années, il y aura sûrement. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire olympique, mais. Vraiment, on est dans une société qui se digitalise de toute façon. Donc l'e-sport va prendre de plus en plus de place parce que justement, l'esprit d'effort, c'est pour ça que je parlais de ça au début, l'effort, l'envie de l'effort est de moins en moins important chez les plus jeunes, justement. Ils ont moins envie de se faire mal, de vomir en fin de séance, parce que nous, pendant des années... Voilà, non, mais c'est vrai. Le vrai sportif est mal. Bah ouais, c'est une réalité, parce qu'on se fait mal et puis on se dit « putain, mais c'est pas possible », le lendemain on y retourne. Mais tu en sais quelque chose. Ah oui, j'en sais quelque chose. Vous lirez, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas. Tu le traites très bien ce sujet sur ton blog. D'accord, alors en ce moment on entend aussi parler de la suite, je le donne plutôt comme information, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer là dans 20 ans,
faire des compétitions de chez soi, c'est-à-dire avoir des sportifs qui fassent des compétitions complètement virtuelles, munis de tous les capteurs qui vont bien et dans un environnement de réalité virtuelle, pouvoir carrément faire des compétitions chacun chez soi. C'est quelque chose que moi je trouve que c'est too much. Je pense effectivement comme vous que ça va arriver à un moment donné, mais en parallèle de ça, par exemple, il y a eu cette année, j'ai oublié le nom de cette start-up, qui avait fait un partenariat avec l'UNESCO qui permettait à tout un chacun dans le monde entier de courir sur une période de 24 heures. Je ne sais plus combien, on va dire 10 km, avec son objet connecté, c'est Run for Heroes, quoi, un truc comme ça, ou Run Heroes, enfin je ne sais plus. Et du coup, les gens ont la possibilité de courir, de faire leur semi, leurs 10 km, etc. Je sais pas, toi tu es à New York, l'autre il est en Australie, tu n'es pas obligé de déménager, tu n'es pas obligé de voyager, etc. Là c'est utile en effet. Donc, mais même sans parler du côté UNESCO, etc., je pense que peut-être on sera peut-être amené aussi à faire des compétitions sans être confronté physiquement et sans pour autant aller dans l'extrême côté réel. Quoi. En effet. Enfin, côté irréel. Alors, Sarah. On disait tout à l'heure effectivement que ce n'est pas un sport professionnel, non. Et ça explique aussi ta deuxième activité. Je voudrais juste que, avant de quitter nos auditeurs, tu nous dises un petit peu où est-ce que tu en es, vers quoi tu te diriges, parce que ça n'a plus rien à voir avec ta précédente vie. Non, effectivement. Donc là, c'est ma dernière Olympiade. J'espère qu'il se passera bien, on sera fixé dans pas longtemps. On fera suivre tout ça en direct. en parallèle, je travaille dans un lab, le lab de Pôle emploi en direct avec des startups. Donc effectivement, comme je disais, le but, c'est de faire changer vraiment le recrutement en France, qui stagne un petit peu, donc vraiment changer la façon de recruter, la façon de s'intégrer dans une entreprise. Et là, je viens de quitter cette entreprise pour me diriger vers une start-up qui cartonne quand même pas mal aux États-Unis et qui est vraiment française, qui travaille donc sur de la data et qui propose une stratégie aux entreprises par rapport à l'étude du comportement de l'acheteur ou du consommateur. Voilà. Dans cette start-up, c'est ? C'est Openfield. Elle est à Malakoff et ça cartonne. C'est pas la première start-up qui cartonne aux États-Unis. Ce serait bien qu'elle soit reconnue en France quand même. On va suivre un petit peu aussi cette activité. Alors, c'est un sujet qui nous est cher chez AK Digital Solutions, parce qu'effectivement, nous, notre sujet, c'est quoi ? C'est l'homme au cœur du digital. Et moi, comme à tous nos invités, j'aimerais bien te poser la question, à savoir, qu'est-ce que ça évoque chez toi aujourd'hui, l'homme au cœur du digital ? L'homme au cœur du digital. Pas tant de choses que ça, parce que pour moi, effectivement, le numérique est important, mais ça reste vraiment plus un moyen, plus des outils. Et ce qui reste toujours important, c'est exactement ce que je disais à la Maddy Keynote, hein, on a pas mal de choses, on crée des prothèses qu'on peut utiliser avec des applications pour justement arriver maintenant de nos jours avec les prothèses à prendre des pièces d'argent, alors qu'avant c'était un peu compliqué. Il y a une jeune ingénieure qui a créé un système qui permet de contrôler des drones par la pensée. Enfin, vraiment, on va dans des trucs qui un peu extrêmes, même parfois sur certains points. Mais pour moi, ça ne change rien, parce que ce qui fait vraiment la richesse de la vie, et puis même concernant le sport, la richesse du moment, c'est la passion, et que tout ça, c'est justement fait parce que c'est l'homme qui est au centre du truc, quoi. La vie, c'est ça, quoi. Enfin, moi, j'aime rencontrer des gens, j'aime échanger. On peut avoir toutes sortes de choses. Le digital, c'est un moyen, c'est un outil. Pour moi, il ne faut pas s'emballer. Et je pense que certains franchissent peut-être des limites. Mais bon, c'est bon. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup d'être venue nous voir encore une fois.